Aujourd'hui est un grand jour. Ce matin, un mal au ventre m'a réveillée. Pas possible. Hein. Des nausées, des bouffées de chaleur, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Du coup, vu les symptômes que j'ai depuis quelques temps, mal à la poitrine et tout ça, je me suis dit que j'allais faire un test de grossesse. Et... et là... et il est positif. On est le 27 décembre quand même. Ouais. Donc ça a mis... J'ai arrêté la pilule depuis fin novembre. Ouais, voilà. Donc du coup... Voilà. Je suis enceinte direct le mois suivant. Ouais. J'ai juste un retard de 3 jours de règles, donc je m'étais dit que j'allais un peu attendre avant de le faire, d'avoir d'autres symptômes. Mais quand je me suis réveillée comme ça, je me suis dit que c'était peut-être les symptômes. Ouais, là il y avait quelque chose à faire. Et j'avais déjà acheté le test de grossesse parce que je pensais le faire un matin où Guillaume travaillait ou quoi. Lui faire la surprise. Mais en fait, il faisait comme dire, je suis sûre t'es enceinte, t'as vu tous les symptômes que t'as. Hein? Puis là, on était en vacances tous les deux, donc je pouvais pas lui cacher que je me réveillais hyper mal, j'en en pouvais plus, ces bouffées de chaleur que j'avais, j'ai pas vomi, mais j'avais la nausée, c'était horrible. Donc j'ai dit, bon, faudrait peut-être que je fasse un test, et puis de toute façon, il s'en doute tellement que la surprise, il l'aura pas, quoi. Ouais. Donc voilà, et quand je suis sortie des toilettes, j'ai dit, non, mais je suis pas prête, là, il est positif, regardez sa tête. Alors, ça fait quoi? Je sais pas, pour l'instant, ça fait rien, parce que... parce que on n'est pas encore fin, c'est pas qu'on n'est pas encore prêt, mais bon, ça aurait arrivé très très vite quoi. Et puis là c'est pas encore confirmé à fond quoi. C'est-à-dire que nous on a envie de voir l'échographie, vraiment là on va se dire ah ouais là c'est bon, c'est fait quoi, tu vois. Là c'est vraiment vrai quoi. mais bon après déjà quand on est allé voir la gynéco tout à l'heure. Oui parce qu'en fait ensuite j'ai dit à Guillaume, de toute façon il faut que j'aille voir la secrétaire du gynéco parce que j'ai perdu l'ordonnance de l'acide folique que je prends depuis que j'ai arrêté la pilule. Ouais. Il m'a dit de le continuer même si j'étais enceinte. Ouais. Et en même temps je lui demanderai une prise de sang ou quoi pour confirmer la grossesse, parce que le test de grossesse c'est vrai que c'est quasi sûr et certain, mais pour moi je sais pas, je me disais ça sera sûr quand j'aurai une prise de sang ou un truc encore plus poussé. Et en fait c'est sûr et certain, et la secrétaire nous a dit bon allez, on fixe le rendez-vous de la première échographie. Ah. De quoi? Quand est-ce que vous êtes disponibles tous les deux? Jamais, le samedi matin à 8h30, ok, allez en avant. Donc voilà, là ça s'est un peu concrétisé quand même. Ouais. Rendez-vous pris chez la gynéco. Là ça annonce la couleur. Ouais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire... le lit, la chambre, ça va, on a le temps quand faire même. Tous les travaux qu'il faut faire dans la maison. Il faut que je sois un athlète de haut niveau pour que ressemble à quelque chose. Mais ça, il sera fier de moi. Le mec se met une pression de fou, quoi. On voit rien avec l'ordi derrière. Ah ouais, parce qu'il y a trop de lumière. Bref, voilà. Bref, voilà, c'était pour vous annoncer la nouvelle. Pour vous annoncer à qui? Je fais cette vidéo pour moi. Ah, pardon. pour vous annoncer à nous-mêmes aussi. Je fais cette vidéo pour avoir un souvenir. Un souvenir. Ouais. Après, s'il faut, je mettrai ça dans un montage plus tard, mais c'est pas du tout pour maintenant. Ouais. La suite au prochain épisode, la prochaine échographie, le 19 janvier. Allez. Oui. Au revoir. Au revoir. Bon, allez. Une manette de switch. Hyper bien. Tu peux poser ta manette, s'il te plaît. Ah. Tu vas devant la main. Je suis pas bien. Elle a acheté une connerie. 2, 3, je suis enceinte. Non. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, sérieux. Mais c'est hyper bien. Comment ça se fait? Sérieux? Oui. Oh. Mais t'as des vite. Oui, ça va pas chouiner. Ça va pas chouiner. Oh. Vous êtes les premières à savoir. C'est trop bien. Ah, j'avais mon cœur qui était boum boum quoi. Et là, regarde toi, mais je n'attendais pas du tout ça, parce que je suis allé. 1, 2, 3, je suis enceinte. Ah ah. C'est quoi? C'est vrai? Pour de vrai ou pas? Non, vous me grillez. C'est énorme. Bravo. Ah, c'est sûr, on va prendre du genre. Oh là là, les cadeaux à qui je vais. Bon, ça correspond pas trop, hein, la boîte. Oh.
Non, mais je suis même pas coiffée, rien là. Mais c'est pas grave, c'est une connerie. Chose de commencer cette vidéo avec ces bons souvenirs pour moi, parce que quand je regarde ces images, je les regarde avec le sourire et non pas en pleurant ou quoi que ce soit, parce que pour ma première grossesse, j'avais décidé de l'annoncer de cette façon-là, en gros, que je me prenne en photo et que finalement je crie « je suis enceinte » et que les gens, du coup, j'ai leur réaction en vidéo et que je garde cette réaction en souvenir. Finalement, ça s'est fait un peu plus vite que prévu parce que j'avais pas décidé de l'annoncer si vite, mais il s'est avéré que je suis tombée enceinte très rapidement, que j'ai quand même décidé de l'annoncer à mon frère et ma belle-sœur parce qu'on est très proches et qu'on se voit tout le temps et que c'est quelque chose que je pouvais pas trop cacher, mais je comptais l'annoncer dans la foulée à mes parents. De toute façon, pour ma famille, je comptais l'annoncer très tôt parce que voilà, je m'étais dit, même s'il se passait quelque chose de négatif ou quoi que ce soit, je le partagerais avec eux, donc il n'y a pas d'attendre les 3 mois ou quoi que ce soit. Après, effectivement, pour l'entourage, je comptais pas attendre 3 mois non plus, mais peut-être un peu plus. D'attendre de l'annoncer déjà à ma famille. Mais il s'avère qu'il y a eu le nouvel an et que ben, pendant le nouvel an, moi c'est pas que je bois ou quoi que ce soit, mais au nouvel an je prends quand même un verre d'alcool, je grignote du saucisson, du foie gras, toutes ces choses-là dont je n'avais pas le droit de manger. Donc je me suis sentie d'entrée très observée, même on me posait des questions et tout ça. Et je m'étais dit, je vais me faire griller, et voilà, je me sentais observée, et j'ai dit à Guillaume, écoute, tant pis, je vais l'annoncer, quand on va faire la photo de groupe, parce qu'au Nouvel An, on se fait toujours une photo tous ensemble, eh ben, je vais l'annoncer à ce moment-là. Donc mon frère et ma belle-sœur étaient déjà au courant. Mais voilà, j'ai fait cette photo vidéo, du coup, j'ai coupé des amis qui ne voulaient pas être sur YouTube, mais voilà, je suis contente d'avoir leur réaction. C'est pour ça que je dis, avant que vous me grilliez et tout ça, parce que je me sentais déjà d'entrée, puisque c'était un apéro dînatoire et tout ça, je me sentais vraiment observée, genre elle mange pas de saucisson, elle boit pas d'alcool, elle boit pas ci, elle fait pas ça. Voilà, je me sentais trop observée, donc je voulais me l'annoncer moi-même plutôt qu'on me dise allez c'est bon dis-le, t'es enceinte, enfin voilà. C'est pour ça que mes parents l'ont su juste le lendemain en fait. Donc j'ai introduit cette vidéo avec ces petits souvenirs que j'ai pas envie de perdre, puisque effectivement pour la deuxième grossesse je l'ai pas du tout annoncé de cette manière puisqu'on ne savait pas à quoi s'attendre et que je l'avais déjà fait la première fois. J'ai longuement hésité avant de tourner cette vidéo. Je savais pas si j'allais la faire un jour en fait, et puis finalement le temps passe, c'est quand même moins douloureux pour moi, donc je me dis que ça peut aider en fait d'en parler. En fait je le fais juste pour ça, pour aider, parce que ben, moi ça aurait pu peut-être m'aider de tomber sur une vidéo comme ça, parce qu'aussi je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui font des fausses couches, et je m'en suis rendu compte parce que j'en ai fait une en fait, tout simplement, sinon je ne savais pas qu'il y en avait autant. Aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler pour toutes les femmes à qui c'est arrivé, vous dire que vous n'êtes pas seule. Bon, c'est une vidéo que je voulais faire sans que ça coupe et finalement j'ai été coupée, donc je vais commencer par vous expliquer comment c'est arrivé, voilà, comment ça s'est passé, sans rentrer dans les détails, mais quand même vous en donner assez pour que vous compreniez et peut-être que ça peut aider. Pour vous illustrer un petit peu, on a toujours eu un désir d'enfant, on a toujours voulu se marier avant d'avoir un enfant, donc c'est ce qu'on a fait, on s'est marié. Moi, ce qui me retardait entre guillemets le projet de faire un bébé, c'est par rapport à mon contrat au niveau du boulot, puisque je n'étais pas en CDI, je suis restée énormément d'années en CDD, et du coup vu que ça a toujours été le rêve de ma vie d'avoir un enfant, je voulais m'en occuper le plus possible et j'avais envie d'avoir un CDI pour prendre les mesures que j'ai prises aujourd'hui et effectivement profiter de mon fils et surtout assurer aussi avoir une bonne situation pour assurer derrière avec un bébé, puisqu'on sait que ben voilà, il faut quand même avoir une bonne situation. En tout cas nous c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui nous paraissait être le mieux. Mais une fois qu'on s'est marié, après avoir pris la pilule pendant 10 ans, je me suis dit, écoute, moi j'ai envie d'un bébé, au bout d'un moment, j'allais être titularisée, donc je vais arrêter la pilule s'il faut, ça mettra longtemps à arriver, ça arrivera quand ça arrivera, et puis on avisera à ce moment-là.
sachant que même si ça arrivait de suite, j'allais être titularisée dans quelques mois, donc ça pouvait le faire, hein. Rien n'était calculé, mais si vous voulez, on s'était mariés, c'était ben, le projet de vie qu'on voulait et c'était la suite, donc on l'a fait. Du coup, j'ai arrêté la pilule, sauf qu'en fait, je suis tombée enceinte de suite. Et on était très heureux parce que forcément quand c'est un projet et quand c'est un rêve, ben, quand vous voyez la barre sur votre test de grossesse, vous ne réalisez pas trop mais vous êtes heureux, vous vous projetez déjà. Et en fait on devient maman à partir du moment où on fait le test de grossesse et pas à partir du moment où on accouche ou à partir du moment où on a notre enfant. Enfin pour moi c'est comme ça que je le vois. J'ai fait une échographie de contrôle parce que j'ai eu une perte de sang au travail. Donc en fait, je me suis levée, j'ai senti quelque chose couler et je me suis dit, il y a un truc bizarre. J'étais au travail, donc je suis allée aux toilettes dès que j'ai pu parce que j'étais toute seule avec un groupe d'enfants. C'était entre midi et deux pendant la cantine, donc j'étais au dortoir. J'ai vu que j'avais perdu un peu de sang. J'avais pas de protection, j'avais rien. Je me suis mis du papier pour éviter d'en perdre trop. Heureusement, après, j'étais au dortoir pour la surveillance du dortoir, donc j'étais assise et du coup, j'ai pu attendre que quelqu'un vienne me remplacer pour aller aux toilettes. Enfin, bon, bref, ça a été assez compliqué et j'ai senti que c'était pas normal. Après, je me suis dit, écoute, sois sereine, ça arrive. On m'avait dit qu'on peut avoir des pertes de sang, on peut même avoir des règles enceintes, donc s'il faut, c'est rien du tout. Ne t'imagine pas le pire, même si je le sentais mal, je me suis dit. Ça doit être rien, je vais quand même appeler le gynécologue, peut-être qu'il va me dire de venir voir et puis on vérifiera. Sachant que j'avais mon rendez-vous qui était programmé pour dater en fait la grossesse. Donc quand j'ai appelé effectivement, elle m'a dit à partir du moment où il y a ça, même si c'est rien, il faut quand même contrôler. Donc dès que vous sortez du travail, vous venez. Donc j'y suis allée en sortant du travail et le gynécologue m'a fait une échographie et a bien vérifié, j'étais bien enceinte, tout allait très bien, on a entendu le cœur du bébé, donc c'est la première fois que j'entendais le cœur battre, j'étais toute seule, Guillaume n'était pas là vu qu'il travaillait et que c'était quelque chose de contrôle, mais ça m'a rassurée et je me suis dit ouf, tout va bien, voilà, il n'y avait pas de quoi s'en faire, il m'a expliqué, le gynécologue des fois ça le fait, un petit peu de sang comme ça, voilà, rien d'inquiétant. Nickel, plus de saignement du tout. Le lendemain matin, c'était le mercredi, je ne travaillais pas. Et avec ma mère, on décide d'aller faire les magasins. Le matin, j'avais pas eu de perte de sang, quoi que ce soit. Donc voilà, Guillaume était rassuré quand le soir, je lui ai dit « Regarde, je vais montrer l'échographie, on voyait le bébé, on voyait le cœur, même si c'était tout petit. » Voilà, donc c'était daté à peu près. Pas tout à fait un mois de grossesse. Et au final, quand on était dans les magasins avec ma mère, je sens que je saigne à nouveau. Donc là, j'avais des protections sur moi, donc je vais aux toilettes de la galerie marchande et je saigne beaucoup. Beaucoup, 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 à tel point que j'entache mon pantalon, etc. Donc je dis à ma mère, écoute, c'est pas possible, là, je saigne. Effectivement, ils étaient au courant de tout et j'étais bien contente qu'ils sachent que je sois enceinte à ce moment-là parce que j'ai pu partager ça avec mes parents qui sont très proches. Donc ils avaient suivi la péripétie de la veille. Et là donc je saigne à nouveau, ma mère était avec moi, je lui dis là je peux pas, je saigne trop, je peux pas faire les magasins, enfin je dois rentrer à la maison. Donc je rentre chez moi, je décide de rappeler le gynécologue, et il ne travaillait pas ce jour-là, donc elle me dit qu'il fallait quand même que je fasse un contrôle, mais du coup d'aller aux urgences de la maternité. Donc Guillaume travaillant toujours, c'est ma mère qui m'amène aux urgences de la maternité, et là par contre j'étais très mal parce que... ben voilà, je le sentais quoi, inconsciemment on le sent, surtout quand voilà, la veille ça allait et puis finalement il se repasse ça et là beaucoup plus de sang. Voilà, même ma mère, je voyais à sa tête qu'elle n'était pas très rassurée, mais bon, on s'est dit allez, on y croit. Du coup, on a attendu longtemps et quand c'était à mon tour, je suis tombée sur une gynécologue pas très sympathique ou alors elle n'était pas du tout dans son assiette ce jour-là, c'est la première fois que j'avais affaire à elle. Quand je suis arrivée, je lui dis bonjour, voilà, je viens parce que j'ai perdu du sang. Elle me laisse même pas terminer la phrase, elle me dit ah ben vous avez vos règles. Non, en fait je n'ai pas mes règles, je suis enceinte. Je suis pas une gamine, je sais si c'est mes règles ou s'il y a un problème quoi. Donc je lui montre l'échographie en lui disant non, laissez-moi terminer, je suis enceinte, voilà l'échographie, je suis allée donc hier, j'explique. Et donc là elle dit mais c'est un œuf clair là, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de grossesse, comment, en voulant dire comment ce gynécologue là voit ça. Et là je lui montre, je lui dis vous voyez là il y a les battements du cœur, je les ai entendus hier, c'est écrit sur l'échographie. Ah oui, bon écoutez on va contrôler. Déjà vous arrivez, vous êtes mal, vous tombez sur une personne qui vous répond comme ça, je peux vous dire que vous avez juste envie de tout casser quoi. Donc je me suis dit allez prends sur toi, elle va te faire le contrôle et selon quoi... on avisera. Du coup, je vous passe les détails.
parce que voilà, elle était pas du tout aimable, très froide. Voilà, à un moment donné, on ouvre la porte alors que j'étais comme ça en train de faire ça pour, je sais pas moi, venir chercher une poubelle. Bon, bref, des trucs très dérangeants à ce niveau-là. Elle me fait l'échographie et pas de cœur, pas d'activité, donc effectivement, interruption de grossesse. Annoncée par cette dame pas du tout aimable, je peux vous dire que ça vous fait un choc. Donc aujourd'hui, j'arrive à en parler, même si vous sentez que je suis émue, mais... voilà, j'en parle parce que j'arrive enfin à en parler sans pleurer, parce que c'est quand même pas facile. Mais du coup, elle a été assez traumatisante pour moi, c'est au-delà de l'acte qui est traumatisant, cette personne a été vraiment, voilà. Donc là, elle s'est radoucie parce qu'elle a vu dans quel état je me mettais, hein. J'étais très triste, donc elle s'est radoucie, vous inquiétez pas, ça arrive à beaucoup de femmes, etc. Et du coup, elle me dit, revenez dans la nuit pour faire un curetage ou je sais pas quoi, enfin voilà, donc attendez de voir un peu, mais si vous saignez encore beaucoup, revenez dans la nuit pour faire un curetage. Ok. Bon, voilà, du coup... je rentre chez mes parents, j'apprends la mauvaise nouvelle à Guillaume, voilà, tout le monde pleure, tout le monde est très déçu effectivement, donc je vais pas raconter ces détails là, mais voilà, ça a été très très dur. Du coup, le lendemain, je décide de revoir mon gynécologue qui avait repris donc son activité et lui expliquer. Et donc là, voilà, je lui ai quand même expliqué comment j'ai été reçue. Il m'a dit, oula, elle devait pas être très bien réveillée, enfin bon, il m'a dit ça gentiment, mais en voulant dire, elle devait pas être trop au truc. Mais il m'a dit, écoutez, il n'y a pas besoin de faire un curetage, je vais vous donner un médicament, vous êtes à même pas un mois de grossesse, ça va le faire avec le médicament et on vérifiera si tout est bien parti avec le cachet. Donc j'ai pris le cachet, j'ai eu des contractions qui ont été très 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 douloureuses, je me tordais toute seule sur le canapé, j'ai évacué comme ça. Et puis voilà, donc déjà psychologiquement c'est très dur. Physiquement c'est très douloureux et effectivement je suis entre guillemets contente que ça arrive très tôt dans la grossesse et non pas quand on s'est déjà projeté, quand on sait le sexe, quand on a préparé la chambre, quand on s'est encore plus projeté que ce qu'on était déjà projeté, parce que forcément comme je vous ai dit, à partir du moment où vous faites le test de grossesse, ben voilà, c'est plus fort que vous, vous vous dites que vous allez devenir parent. Donc c'est plutôt pour ce genre de choses. Moi psychologiquement je l'ai très très mal vécu. Après vous avez toutes ces questions, pourquoi vous avez été en arrêt maladie, ben, vous devez inventer une excuse parce que vous n'avez pas raconté à tous vos collègues de boulot que vous venez de vivre une fausse couche, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Certaines se sont doutées, hein, parce que je suis rarement absente, je suis rarement... pas souriante, etc. Donc c'était difficile à cacher. Forcément, voilà, j'ai fini par en parler un petit peu, mais pas tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est toujours compliqué à gérer. C'est aussi ce genre de situation, de questions, etc. L'ayant annoncé qu'à mes proches, ma famille proche et mes amis proches, je leur ai annoncé aussi ce qui s'était passé. Et j'ai eu beaucoup de soutien à ce niveau-là, donc surtout de ma famille et tout ça. Et voilà, j'en ai eu vraiment, vraiment, vraiment besoin parce que je pensais pas que j'allais être vraiment au fond du seau à ce point. Donc c'est pour ça que quand on me dit combien de kilos j'ai pris enceinte, je sais que j'ai pris une vingtaine de kilos enceinte, mais j'avais déjà 2 ou 3 kilos de pris par rapport à ça, pas par rapport à la grossesse, mais par rapport à l'après-grossesse, parce que j'ai arrêté le sport, j'ai mangé, je suis restée sur mon canapé à déprimer. Et du coup, voilà, j'avais pris un peu de poids aussi par rapport à ça, même si c'est 2 ou 3 kilos, c'est toujours ça en plus. Et heureusement que Guillaume était là et qu'il m'a beaucoup aidée, qu'il a beaucoup essayé de me motiver pour que je reprenne goût à la vie entre guillemets, parce que c'était vraiment une période très difficile. D'ailleurs, quand j'étais allée chez le médecin pour je ne sais plus quelle raison, j'avais fondu en larmes complètement. Donc il m'avait conseillé d'aller voir peut-être un psychologue, ça pourrait peut-être m'aider à parler de ça. Et finalement... j'y suis pas allée parce que j'ai repris le travail, j'ai repris un peu ma vie normale, on va dire. J'ai essayé d'aller de l'avant et je suis retombée enceinte aussi assez rapidement après tout ça. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidée à passer à autre chose évidemment. Mais c'est aussi grâce à Guillaume qui m'a motivée et qui me... voilà, allez, on va sortir, on va faire quelque chose, on essaye d'aller manger au restaurant, de faire... voilà, de me booster un petit peu parce que sinon je serais restée sur mon canapé toute la journée clairement. Et donc je pense que dans ces moments-là, peu importe à quel stade vous êtes dans votre grossesse, mais c'est très 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 important d'être entourée et d'être aidée, parce que toute seule, j'y serais pas vraiment arrivée. Même si effectivement, on se fait un tas de raisons. Même mon gynécologue le premier m'a dit, si la grossesse s'est arrêtée naturellement, c'est qu'il y avait un souci, c'est qu'il y avait quelque chose, il vaut mieux comme ça.
Dieu merci, oui, il vaut mieux comme ça. Et surtout, voilà, ça m'a rassurée en me disant, je suis fertile, je peux avoir des enfants. Même si j'ai eu cette fausse couche, je vais retomber enceinte, et j'y croyais très très fort, et c'est ce qui s'est passé. Donc je remercie vraiment la vie de m'avoir donné un bébé merveilleux. Mais voilà, moi je fais cette vidéo pour vous dire que si vous traversez cette très dure épreuve, de rester positif et d'essayer de vous faire aider, parce que on le vit, même si beaucoup, ça arrive à beaucoup de femmes, même si ça peut paraître anodin, mais t'étais à presque un mois de grossesse, c'est rien du tout. Enfin voilà, ça, on peut vous dire des choses comme ça, oui, mais quand on le vit, c'est quelque chose. Et de l'avoir vécu, ben, je me suis rendu compte que ça a pu me mettre, je ne me reconnaissais pas quoi. Moi, j'ai jamais été aussi négative que cette période-là dans ma vie. Donc en plus, on avait des soucis un peu familiaux à côté, donc forcément ça aidait pas, le contexte était dur, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai perdu le bébé, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai été aidée pas par des psychologues du coup, mais par ma famille et surtout, et des amis, mais surtout par des personnes que je suis allée voir aussi. Je sais pas si vous croyez à toutes ces choses et tout, mais je me suis fait aider par des personnes qui ressentent les choses en fait, et qui m'ont rassurée à plein niveau, qui m'ont débloquée sur des niveaux et tout ça. Donc je sais que ça aussi ça m'a aidée à reprendre confiance en moi et à enlever un peu tout ce qu'il y avait comme blocage à ce niveau là voilà, je vais pas le faire très long au niveau de cette vidéo. Je voulais juste vous mettre au courant, parce que des fois je savais pas trop quoi vous répondre. Néo, en fait, c'est ma deuxième grossesse. Combien j'ai pris de kilos, ben, j'en ai pris un petit peu plus en tout, parce que je partais pas sur ma base de mon poids normal, mais un peu plus, parce que voilà, par rapport à cette période qui a été difficile, là en gros j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, et il me reste ces 3-4 kilos à perdre que j'avais déjà pris avant, je pense, et qui vont aussi revenir avec le sport, parce que pour moi, vous savez que le poids, ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, j'avais pas de balance avant d'être enceinte, enfin avant d'accoucher, mais là, post-accouchement, je me suis dit, pour suivre un petit peu, ça fera pas de mal d'acheter une balance. Mais après, moi, c'est ce que je ressens, c'est dans mes vêtements, c'est mon corps, là, aujourd'hui. Même si j'ai perdu presque tous mes kilos, je me sens pas du tout comme avant, parce que je suis moins musclée, parce que voilà, il faut que je me remette en forme, donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, j'avais envie de vous tenir au courant aussi, ça me permet d'aider certaines d'entre vous si vous voulez échanger à ce sujet, parce que vraiment c'est avec plaisir. Alors si vous voulez pas le faire en commentaire, sachez que vous pouvez le faire sur Instagram, parce que j'en ai déjà discuté avec certaines d'entre vous avec qui j'échange et à qui j'en ai déjà parlé. Sinon je serais ravie d'en parler. Je sais que ça fait du bien des fois, et que tout le monde n'a pas une famille ou des amis ou des personnes qui peuvent vous épauler. Donc si je peux être là pour vous, je le saurai, il n'y a aucun souci pour ça. Et après, moi aussi, ben, je pense que ça me libère, et que j'ai pas envie que ça reste un sujet tabou en fait. Ben, j'ai envie d'en parler ouvertement et de dire oui, j'ai vécu une fausse couche, oui, je m'en suis remise, oui, aujourd'hui j'arrive à en parler sans pleurer, et ça fait partie d'une histoire encore de ma vie qui fait celle que je suis aujourd'hui. Et grâce à ça, aujourd'hui, enfin, je suis encore plus heureuse que ce que je n'ai pu l'être, et je suis celle que je suis. Voilà, toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie m'ont permis de grandir et d'apprendre, et même si j'aurais aimé ne pas passer par là, j'ai quand même la chance de pouvoir être enceinte et de pouvoir avoir des enfants et d'avoir vécu tout ça. Donc je sais que je suis chanceuse, parce que beaucoup de femmes n'y arrivent pas du tout, ou font fausse couche sur fausse couche. Et voilà, je ne veux pas rentrer dans tous ces cas, mais je pense aussi à vous très très fort. Et voilà, aujourd'hui le message, c'est vous n'êtes pas seule, et moi aussi ça m'est arrivé. Donc, ne croyez pas que parce qu'on vous en parle pas, tout est rose, tout est beau, tout va très bien. On passe toutes par des épreuves, et mais voilà, il faut rester positif, il faut en tirer que le bon en fait. Bien évidemment, on se fait des raisons, mais oui, si ça devait se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, et vous verrez plus tard pourquoi, même si sur le moment c'est très très dur. Donc voilà, c'était pas du tout une vidéo pour vous plomber le moral ou quoi que ce soit. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler, et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, puisque vous savez que je me livre pas beaucoup sur ma vie privée. Il y a beaucoup de choses que j'aime garder que pour moi, et je vous partage beaucoup de positifs sur cette chaîne, parce que j'ai pas envie de partager des choses négatives, parce qu'on en vit tous, et que je suis là plutôt pour vous partager quelque chose de joyeux. Mais au niveau de ce sujet, je pense qu'on est beaucoup de femmes dans cette situation, et que si ça peut apporter quelque chose, je me devais de le faire. Donc voilà pourquoi je l'ai fait aujourd'hui.
J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé. Et voilà, n'hésitez pas à échanger à ce sujet. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage si ça vous est arrivé. N'hésitez pas à me suivre dans mes prochaines vidéos qui seront quand même beaucoup plus positives. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.